Ça marche ou pas? Ah, c'est horrible. Oh, le bébé. Le bébé, attends, j'arrive, j'arrive. Oh, putain, non, mais c'est pas possible. Oh, attends, attends, je la couche. Attends. Yo tout le monde, c'est Kira, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Mother Simulator, comme vous l'avez vu dans le titre. Mon Dieu, quelle aventure. J'ai l'impression que plus le temps avance, plus on se retrouve déjà, dans un premier temps, sur des musiques totalement ridicules, et sur des jeux totalement ridicules aussi. Je pense que vous l'aviez vu sur l'aventure With Your Daddy, j'avais été un bébé parfait, j'avais été le meilleur bébé qui puisse exister. Mais je n'ai jamais été la meilleure mère qui puisse exister, puisque je n'ai jamais encore testé. Vous savez que j'adore les jeux, les simulations, petit Michel. Dès que je peux faire une petite simulation bien sympathique, je ne dis jamais non. Et là, Mother Simulator... Je me suis dit, il est temps de voir si je suis une bonne mère ou pas. Dans With Your Daddy, j'ai été un très bon bébé, on s'en souviendra. Regarde, du piano. Eh, regarde, tu reconnais la mélodie? C'est la mélodie de Va te faire enculer, salut. J'étais aussi un très bon père dans With Your Daddy, mais je ne sais pas si je suis une bonne mère. Étant une fille, est-ce que Kiki est une bonne mère? Je ne sais pas, donc je pense qu'il est temps de faire le test et de voir de quoi ce jeu est fait. Donc, welcome to Mother Simulator, the most popular TV show. Donc, ce que je vois, donc c'est une espèce d'émission de TV, en fait, où on va avoir plusieurs séries de choses à faire, en fait, des tests à faire pour montrer si oui ou non on est la meilleure maman de la planète, quoi. On va pas en lire plus, on a compris le système. Donc j'ai envie de tester maintenant. Moi je veux savoir de quoi c'est fait. On est sur des jeux de plus en plus ridicules, hein, je vous le dis, hein. On va tester, play. Oh la gueule! Oh la gueule, il tape la pause, le bébé! Donc la totote, il va falloir que j'aille chercher la totote du bébé. Oh la gueule! Oh cette gueule! Oh mon dieu, bah ça c'est pas... Oh mon dieu, sors de ce corps, démon! Une totote, où est-ce que peut se trouver une totote? Une totote, techniquement, c'est dans la cuisine. Ah! Je l'ai! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il faut la laver! Lavons la totote! Comment je mets cette merde dans la... Foutez! Il est pas prêt de l'avoir, hein, je vous le dis, hein. Ah, elle se lave, là? Ah, elle est propre. Tiens, mon bébé. Cette gueule. Oh, cette gueule, il est horrible. Yeah, plus 10 points. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Ah, on a réussi? First nipple, congratulations. Ok, 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 c'est bon. On est sur un bébé de Schwarzenegger. Magnifique statuette, je ne sais pas si on la gagne à la fin. Dis donc, elle serait bien dans le décor. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a un trou dans le décor. Vous ne le voyez pas parce que c'est un petit, mais regardez, il y a un trou dans ce décor. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui arrive prochainement. Là, un truc bien sympathique. Vous allez voir, le décor est en train d'évoluer. Je suis en train de voir pour des affiches et tout. Vous allez voir, ça va être au top, les amis. Gift from the baby. Ah non, 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 il a chier dans son froc, Michel. Ok, réceptionnel. Ah putain, sérieux. Il faut que je la jette dans les toiles. Dans là, dans ce truc là. Yes, nice. Ensuite, faut que j'attrape le bébé, je pense. Il faut le laver. Oh la gueule! Cette gueule! Oh mon. Non! Oh, j'ai lâché le bébé! J'ai lâché le bébé! Attendez, qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? Je vais pas lui laver le cul maintenant avec son truc là. Quoi? Bah, je restart, je recommence. Écoute, est-ce qu'il faut le tremper? Il faut peut-être le tremper dans la baignoire. Attendez, il faut peut-être, j'ai peut-être la technique. Ah, c'est horrible ce qu'on aura de faire. Non, good luck next time. Attendez, on n'a pas assez de temps à chaque fois. Oh, bah écoutez, là on a une bonne visu là. Ça marche ou pas? Ah, c'est horrible. Oh, le bébé, le bébé. Attends, j'arrive, j'arrive. Oh, putain, non, mais c'est pas possible. Oh, attends, attends, j'ai la couche. Attends. Non, putain, fermez-moi ça, il y a un problème, là. C'est bon, t'inquiète pas, rien du tout, il y a rien de grave. Attendez, peut-être que si on fait ça et qu'on appuie, en fait, direct... Bah, regardez, voilà. Regardez, un petit peu, hop, de talc, voilà. Ensuite, on met la couche, voilà. Ensuite, on reprend le bébé. Ah, il est content! C'est bon! On a réussi! On a réussi! Yeah, mais vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, finalement, de changer un enfant, hein. La meuf, elle a fait des trucs horribles, et elle dit ça, quoi, c'est horrible. Donc, dans un premier temps, le bébé, il veut à boire. Je vais pas lui donner à boire directement là, on est d'accord. Donc, on va le poser là. Oh là là, horrible, horrible.
Alors attends, le bibi, le bibi. Ah, mais ils sont dégueulasses dans cette famille ou quoi qui T'as vu l'état du bibi? Il faut rincer le bibi là. Il faut laver le bibi. Voilà, la totte, enfin le truc là. Ah oh, putain, il est pas prêt de bouffer, je te le dis. Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Bam. Oh. Ensuite, en 3, le 3, là. Oh là là. Mais je l'ai ressalopé, du coup j'ai tout refait tomber. Oh là là. Tu vas bien bébé? Nickel. Ah. Donc je pense que c'est bon, ça s'est rempli. Ça s'est rempli, ça s'est rempli. Hop, le 4. La poudre. Pardonnez-moi, mais c'est codé avec le cul à cet endroit-là. Pour déposer les trucs, c'est horrible. Voilà, on va laisser ça. Donc, on va mettre une cuillère, je pense. Merde. Oh. Mais non. Faut tout recommencer, du coup. C'est bon, là, on a géré. On a géré de ouf. Une cuillère. C'est pas possible. Et je crois que c'est pas du tout là-dedans que je dois lui mettre. Mais si, c'est là-dedans que je dois lui mettre. Est-ce qu'il veut pas en manger comme ça, direct? Là, tu veux pas en manger comme ça? Arrête de faire ton difficile, hein, Michel, hein. Ça commence à suffire, maintenant, hein. Mais il a pas un truc pour l'asseoir? Normalement, les bébés, ils ont pas un truc pour s'asseoir. Je pense. C'est relou. 1, 2, ok. 3... Tu mets l'eau, mais après faut mettre la poudre, ça je suis bien d'accord qu'il faut mettre la poudre. Je crois que c'est bon. On est bon, je lui ai mis 4 cuillères, je sais pas si ça suffisait ou pas. Tiens. Ah. Eh. Il est content, regardez. Et là il veut sa totote. Horrible. Horrible. Bon, on va y arriver à la mettre la totote, hein. On va pas se laisser emmerder par une totote alors qu'on s'est fait chier à faire un biberon. Tiens. Regardez ça. Est-ce que c'est pas beau? C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai pas d'autres mots. Tout se passe à la perfection. Ok, il a sa nourriture. Ah, la jauge de bouffe et tout. Bon, la totote dans un premier temps. La totote, elle est propre ou elle est sale? La totote, elle est sale. Ouah, ils nous ont mis dans la maison genre taille réelle, là. Oh, bah, on va tout faire là. Ah, oh, mais c'est dégueulasse. On va tout jeter dedans. Ah, il peut vite crever, le bébé. Non, tu veux d'abord ta totote. Arrête, commence pas. La totote. La totote. Mais putain, j'arrive pas à la laver. Mais non. A few moments later. Déjà, ça ne se nettoie pas. Ça ne se nettoie pas. À quel moment ta main n'est pas assez grande pour... Putain. À quel moment ton bras ne peut pas faire l'interaction d'aller jusqu'au robinet afin de glisser la totote? Enfin, le truc pour laver. Ça me gonfle. Hop. Allez, une cuillère pour maman, une cuillère pour papa. Rien à foutre. Ah, ça y est. Tiens, ta merde. Quoi? Mais je lui ai donné. Mais à quel moment? À quel moment il est vegan, le bébé, ou quoi? Comment ça se passe? À quel moment je lui ai donné? Eh, je lui ai donné. Je lui ai donné. Sans déconner, je vais lui faire bouffer le pain qui est à côté. Hein. Je vais lui faire bouffer le pain qui est à côté. Plus rien à foutre. Alors là, Billy, je pense que t'as été trop loin. Là, je pense que t'as essayé de me prendre pour une conne. Oh, il fallait pas te faire ce petit jeu. Oh non. Tu vas voir. Déjà, ta totote là. Tu vas voir la totote déjà. Regarde, regarde la totote là déjà, dans un premier temps. Tu vas bien voir. Regarde. Hop. Elle se nettoie pas. Pourquoi elle se nettoie pas, Billy? Parce que le jeu, il est mal codé. Qu'est-ce que c'est mal mis?
Alors moi là c'est propre. Allez bouffe là. Bouffe là. Nice. Maintenant du pain. J'en ai rien à foutre. Mais c'est moi qui avais faim, c'était pas lui. Oh, j'en ai plus rien à foutre alors. Oh bah je mange tout hein, si c'était moi et pas lui. C'est moi, c'était pas lui. Oh, le salaud. C'était moi, c'était pas lui qui avait faim. Ça c'est dégueulasse. Ah puis Billy, reprends un peu tes responsabilités. Merde à la fin, nourris-toi comme un grand. Mais on est dans quel monde là? Les bébés ne veulent même plus se nourrir. Mais on m'explique. Voilà. Là on est bon. Tiens. Ah bah là il est content. Voilà. J'aurai pas le temps. Tant pis. Tant pis, on changera pas ta couche. Voilà, et on t'en met direct une. Putain. On va s'arrêter là, hein. Il m'a... Au bout de 45 minutes de game, moi j'en peux plus, hein. J'ai déjà pété un câble. Hein. Je suis déjà hyper énervé. Hyper énervé. C'est quoi ces enfants? Mais j'en ai marre, putain, j'en ai marre. Bon du coup les copains, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur Mother Simulator. J'espère en attendant vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça a été le cas. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux comme d'habitude. Je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Allez, ciao.